aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors d'abord, je vais m'excuser parce que vous allez entendre, j'ai une voix de canard. Voilà Fifi qui vient dire bonjour. J'ai une énorme bronchite depuis plusieurs jours. Mal à la gorge, voilà. Je suis d'ailleurs même sous antibiotiques. Et j'ai été malade début de semaine, je ne sais plus. Ça a commencé par la gastro. Oups, bonjour. Et quand la gastro a été mieux, bronchite. Voilà. Alors, du coup, je mets un col roulé. Et la semaine a été quand même assez chaotique, assez terrible à cause de ça. Parce que, du coup, extrêmement fatiguée. Là, le soir, la voix, bon, ça va. Mais alors, le matin, quand je me lève, c'est une horreur. Je sais à peine parler. Oh oui, oh oui. Moi, je sais que sa maman, elle est malade. Alors, elle lui fait des bisous, des câlins. Et du coup, c'est une horreur. Or, c'est pour ça aussi que cette semaine, vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. J'en suis désolée. Mais bon, on se rattrapera. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, la vidéo, je pense que quand même qu'elle va être plus courte cette fois-ci. Parce que, alors, désolée, si j'ai des cannes de touche, je couperai la vidéo pour pas vous incommoder avec ma toux. oui, parce que du coup, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Alors, déjà, pour celles qui aiment le tricot, je suis désolée, je n'en ai pas fait du tout cette semaine. Mais bon, c'est pareil, je me rattraperai, je vais me rattraper la semaine prochaine. En crochet, j'ai juste fait les rangs de la semaine de ma couverture de cette année. Je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà. Donc, en broderie, j'ai fait quelques petites choses. Excusez-moi, mais ça va être comme ça tout le long de la vidéo. Je sais que des fois, ça gêne un peu, mais là... Oh là là, mais oui. Oh, c'est maman. Oui, donc en broderie, j'ai pas fait tout ce que je voulais. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Alors, d'abord, j'ai, vous savez qu'en ce moment, c'est le mois de mai, et au mois de mai, il y a le Stitch Mania. Alors, c'est pareil, normalement, j'aurais voulu faire une vidéo chaque jour, mais pour l'instant, c'est vraiment impossible. Donc, je vous ferai une récap voilà, dans mon journal créatif. Voilà. Je profite pour te souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Il y en a encore eu cette semaine, donc c'est vraiment super. Du coup, la vidéo est un petit peu en... oui, donc je vous parlais du... du Stitch Mania. Alors, je voulais le faire, je voulais pas le faire. Comme j'étais pas bien, j'ai dit, oh, non. Puis en fin de compte, bon, je me suis préparée pour le faire. Bon, je ne sais pas si tout ce que j'ai prévu sera fait ou pas, mais bon, on fera au mieux. Voilà, le principal, c'est de prendre du plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Stitch Mania, c'est un événement qui vient des Américaines. Ça se passe toujours au mois de mai. Et donc, il y a plusieurs versions.
La version officielle, enfin la première version, c'est de commencer une nouvelle broderie chaque jour du mois de mai. Donc à la base, il faudrait commencer 31 nouvelles broderies. Oui. Pour ma part, ça, c'est non. Voilà. On peut également, là, nous sommes en 2024, donc on peut commencer 24 nouvelles broderies. C'est lourd aussi pour moi. La troisième version, bah, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, c'est la version que j'ai choisie. Je vais faire... Alors, je vais ressortir des UFO. Alors, les UFO, c'est des broderies qu'on a laissées un peu sur le côté. Voilà, depuis un certain temps. Donc, je vais en ressortir pour essayer de les terminer. Pardon. Bon, elles seront peut-être pas finies ce mois-ci. Oui, ce mois-ci. Mais bon. Tout au moins si je peux essayer d'avancer, voilà. Et ensuite, j'ai quand même choisi donc de commencer des nouvelles broderies. Et en même temps, de me mettre à jour sur des retards sur des broderies. Donc, quand on a des retards sur les broderies, c'est souvent parce que ce sont des salles. Et puis ben, on a pris du retard, voilà. Donc moi j'ai pris beaucoup de retard sur plusieurs de mes broderies qui sont des salles. Donc je vais essayer de rattraper le retard, voilà. Excusez-moi. Alors, mes UFO. J'essaierai de retrouver les photos. Je dois peut-être encore les avoir, mais bon, je verrai, je regarderai. Il va y avoir le calendrier de l'Avent. Vous savez, c'est celui que j'avais. Ah oui, mais c'est celui que j'avais organisé l'année dernière et qui devait se terminer bah, pour Noël. Moi, je ne l'avais pas terminé. Donc, je vais essayer de le sortir plusieurs fois ce mois-ci pour l'avancer, enfin, le terminer, mais ou tout au moins l'avancer. Voilà. Terminé, je ne pense pas qu'il sera terminé, mais voilà. Et également, la broderie de Noël, donc de l'année dernière, du Ren Jones. Voilà, c'est une petite broderie, hein, mais pareil, je ne l'avais pas terminée. Donc, ça, je vais voir pour la sortir. Et puis, bah, l'avancer. D'ailleurs, est-ce que j'ai... Ah, ben, je ne les ai pas. Bougez pas. Excusez-moi, j'avais oublié de les préparer. Alors... Donc, la broderie du Ren Jones, c'est tout chiffonné en plus. Oh là, mon aiguille. Attendez, je vais piquer l'aiguille. Voilà. Alors, elle n'est pas très grande, hein. Désolée, c'est tout chiffonné. Il faudra que je donne un coup de fer. Donc, là, voilà. Donc, certaines d'entre vous l'avaient fait. Hein. Donc, il me reste 4 cases à faire et une à terminer. Donc, si je m'y mets bien, bon, ben, je voudrais bien la terminer ce mois-ci. Mais bon, on verra. Alors, je sais que j'avais abandonné parce que j'avais fait une erreur.
Bon, j'ai pas regardé encore, mais je regarderai. Je sais que j'ai fait une erreur ici quelque part. Donc je regarderai, puis je corrigerai l'erreur. Voilà. Donc ça, c'est un UFO que je ressors. Donc pour le Stitch Mania, je vais le remettre dans sa pochette pour l'instant. Et le deuxième, alors j'ai d'autres hein, UFO, mais pour l'instant j'en sors deux et on verra. Je vais pas sortir trop de choses. En plus, du coup, que là je perds une semaine parce que je suis malade. Mais voilà. Et ça, voilà, c'était le calendrier de l'Avent. Oh là, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait un fouillis de fil. Voilà. C'était le calendrier de l'Avent, donc que j'avais organisé. Et voyez, moi, j'étais extrêmement en retard. Donc, j'aurais bien le terminé. Pareil, je ne sais pas si je le finirai ce mois-ci, mais tout au moins, essayer de l'avancer au maximum. Voilà, ce serait pas mal. Parce que, ben, en fin de compte, je l'ai commencé, ce serait sympa que je termine hein, ces ouvrages. Et là, ce sont des petits motifs. Donc, ça va quand même assez vite à broder. Voilà. Donc, ces deux-là, je vais les ressortir pour... Pour les remettre à jour. Je regarde parce que Fifi fait des bêtises. Voilà. Donc ça, c'est mes deux UFO pour l'instant. Si je vois que j'avance bien ou quoi, bon, peut-être que j'en ai encore d'autres là. Peut-être que j'en sortirai d'autres pour les continuer. Vous verrez ça au fur et à mesure du mois. Ensuite, donc ça les salles, bon, on va les voir après ensemble. Ensuite, donc je vais essayer. Une horreur. De commencer des nouvelles broderies, mais je vais en commencer. Alors, j'ai prévu d'en faire une, deux. 6. Surtout ce que j'ai déjà à faire, j'ai envie de commencer 6 nouvelles broderies. Oui, je sais, je suis folle. Vous inquiétez pas, j'en suis consciente. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, dans les broderies que j'ai, que je veux commencer. Alors, je sais pas si je les ai toutes là déjà. Alors, il y en a une qui n'est pas encore là, mais je vais vous expliquer. Alors, il y a celle-ci d'abord que je voudrais commencer. C'est pas une grande. Je sais plus si vous vous rappelez, je l'avais achetée. À la maison du canon, n'importe quoi, la boutique de mère en fille. Voilà, c'est celle-ci, The Fox de Cottage Garden. La créatrice Vignée PS Tan. Voilà. Alors, c'est une petite broderie. Elle fait combien? 100 points sur 130 points. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de petit. Mais alors, quand j'ai commandé les fils, parce qu'il y avait des fils spéciaux, enfin, marque hors DMC, donc il y avait ces deux-là.
Chalk, voilà, de la marque. Alors, c'est la marque Gentle Art. Voilà, Gentle Art. Donc là, c'est Simply Checker Chalk. La couleur, c'est la 70-54. Et il y avait également celle-ci, la Burnt Orange. Voilà. Et ensuite, il y avait donc des couleurs DMC. Mais je ne sais pas comment j'ai fait mon compte quand j'avais passé commande à ce moment-là. J'en avais commandé que trois. J'avais commandé que trois couleurs. Alors qu'il m'en fallait 6. Donc là, il m'en manque encore deux. Là, j'en ai déjà préparé une, comme ceci. Il m'en manque encore deux. Bon, ça, je dois les avoir dans mon stock, hein, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, j'aurai ce qu'il faut pour commencer après mon pépère. Et j'ai bien sûr ma toile. Je l'avais commandée en même temps. C'était la toile qui était préconisée pour broder ce modèle. Voilà. Là, je plie en deux, on verra mieux. C'est une vintage Murano. Alors, attendez. C'est une étamine Murano, ouais, 12.6. Et c'était une vintage, vous voyez, grise comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer cette broderie-là. Elle n'est pas grande, hein, c'est vraiment, vous voyez, je montre de loin pour pas que, vous voyez, c'est vraiment le petit truc. Alors, j'ai prévu celle-ci. Ensuite, là, j'ai déjà préparé. Alors, il n'y a qu'une couleur que je n'avais pas. Et j'en ai mis une autre. C'était le numéro juste avant, juste après celle qui me manquait. Et il n'y a, pour ainsi dire, pas de différence. Donc, à moins que je la trouve avant que je commence. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de souci. Alors, c'est celle-ci. C'est la Lily Point Cookies aux pépites de chocolat. Donc, c'est une de mes abonnées qui me l'a offert. Donc, ça, j'ai déjà préparé la toile. Voilà. Alors, souvent, les Lily Point, je les brode sur ce qui est préconisé. Donc, c'est une Aïda, mais 8. Voilà. Souvent les. Bon, là, elle est un peu rêche encore, hein, mais c'est pas grave. Souvent les Lily Points, je les fais sur ces toiles-là. Voilà. Donc, ça, c'est prêt. Vous voyez, j'ai préparé toutes mes couleurs. Voilà. Donc, celle-là. Elle sera commencée. Et ensuite, j'ai prévu de commencer. Alors, je suis pas sûre du tambour. Hein. C'est un tambour que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Mais bon, je suis pas sûre de laisser celui-là. Bon, on verra bien. Alors, c'est un modèle de Caroline Manning. Je vous les avais montrés, je pense, quand je l'avais acheté. J'en avais acheté trois. Et là, j'ai choisi de faire sur les trois, j'ai choisi le garde-gift. Voilà, celui-là. Je trouve vraiment magnifique. Donc, j'ai déjà préparé ma toile également. Ça va être fait également sur une Aïda 8.
Parce qu'il me reste j'ai un grand coupon d'Aïda 8, donc bah, il faut que je l'utilise. Donc je ferai là-dessus. J'ai déjà préparé mes couleurs également. Voilà. Pardonnez-moi de tousser comme ça, mais voilà. Donc celle-là est prête à être commencée. Ensuite, alors là, je n'ai rien préparé encore parce que bah, j'ai commandé ma toile hier, donc je l'attends. Alors, je vais essayer de vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus, bien sûr. Hein, quand ils vont chercher quelque chose, ben, on ne trouve pas tout de suite. Oh, ça m'énerve quand ça fait ça. Alors, ce modèle, déjà. Alors, je suis en train de chercher. J'arrive les pépères, hein, minute. C'est une broderie que je vais faire en duo. La voici. Voilà. Alors, elle vient de chez Etsy. Voilà, elle vient de chez Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, un sampler comme ça. Et je vais le faire en duo avec Sonia. Pardonne-moi Sonia, j'ai pas la tête, je vais vous dire tout de suite parce que je veux pas faire d'erreur. Hop, viens là. Donc ouais, j'avais vu qu'elle avait pris et elle s'est proposée de le faire en duo avec moi, donc j'ai accepté sans problème. Alors, voilà, je vais regarder dans mes historiques, ce sera plus simple. J'y arrive, bien sûr. Ah, il y a Pépère qui tousse. Oh. Diam en rose, voilà. Pardonne-moi Sonia. Voilà, je vais le faire avec Diam en rose. Et donc, moi, j'ai choisi de le... Alors, elle le fait sur une toile étamine 12.6 comme moi. Mais Sonia va le faire sur une toile couleur rubis. Et moi, je vais le faire sur une toile bleu canard. Voilà. Alors je vais faire avec donc elle le fait avec le fil étoile, je ne sais plus la référence, je vous remettrai le lien de sa vidéo, vous pourrez voir. C'est un beige je crois, ou un blanc cassé, et moi je vais le faire avec un fil étoile également, qui est bleu marine, voilà, donc c'est le 823. J'avais fait voter avec Sonia, j'avais parlé avec elle en message privé, et puis elle m'avait proposé des fils, et puis bah, après on a parlé du fil étoile, j'ai dit, bon, allez. C'est vrai que le fil étoile, pour l'instant, j'ai pas. J'avais pas accroché, mais je pense que c'est parce que j'ai pas vraiment essayé avec. Donc et là j'ai dit bon allez, je vais me lancer avec le fil étoile et puis ça va le faire, je pense.
Donc voilà, ça c'est une que je vais commencer ce mois-ci également. Mais là, bon, je vous dis, j'attends ma toile, j'attends mes fils. Et donc, je la ferai en duo. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur cet ouvrage. Sonia va peut-être en faire une aussi, je ne sais pas. Et je vous expliquerai comment on va s'y prendre pour la faire. Et dernière broderie que je vais commencer et que j'ai commencé. Vous avez pu voir que je vous ai fait la présentation de la box de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Je vous ai fait ça cette semaine. Et donc, il y avait bien sûr une broderie dans cette box. Et j'ai décidé de la commencer. Alors, je l'ai commencé hier soir, hein, donc je n'ai pas fait grand-chose. Mais voilà, bon, c'est pareil, je suis pas sûre du tambour. J'ai l'habitude avec certains tambours, et du coup, quand je prends un tambour que j'ai pas l'habitude, ça marche pas. Alors, voilà, c'est celle-ci. C'est Demeure de Charme. Voilà, donc c'est la toute dernière broderie de Sabine. Et donc, je l'ai commencé hier soir. Vous voyez, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai commencé l'entourage d'une première fenêtre. C'est la fenêtre. Alors, ça, c'est l'aimant hein, qui va avec. Et donc, cette fenêtre-là, c'est celle-ci. Celle qui est au-dessus de la porte. J'ai fait 277 croix, je crois, sur ce petit morceau. Voilà. Et donc, c'est brodé sur une toile étamine 12.6 blanc irisé. Voilà, elle est toute brillante. Donc, voilà pour les nouveautés que je vais mettre ou que j'ai déjà mis en route. Là, exceptionnellement, j'ai mis mes fils comme ça. Bon, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai mis mes fils sur une plaquette. C'est très rare hein, que je travaille comme ça, mais bon. Oui, maman arrive. Vous avez compris. Hein. Il va y avoir la pause pipi. ouais, c'est très rare que je mets mes fils comme ça, mais là je dis bon, il n'y en a pas beaucoup, donc ça ira très bien. Voilà. Et sinon, alors je verrai, je pense pas que je vais réintégrer d'autres nouvelles broderies, mais bon, on sait jamais. Les UFO, pour l'instant, je vais garder ces deux-là pour le Stitchmania. Et je vais continuer à faire mes broderies qu'on va voir ensemble après pendant tout le mois de mai. Donc ce sera déjà pas mal de faire tout ça. Ah si, si, j'en ai oublié. Si, j'ai oublié. Il y a encore deux broderies que je veux intégrer. Je les avais oubliées. Alors, une Lucas. Je vous l'ai déjà présenté, voilà, c'est avec les cartes Koi, l'aquarium, ça s'appelle. Voilà, donc je voudrais. Alors j'avais aussi le tigre. Le tigre, je voudrais bien. Vous savez, le tigre avec les fleurs, je l'ai. Je voudrais bien l'intégrer également, mais bon, je verrai après la mi-mai comment ça se passe si j'ai le courage de réintégrer une broderie ou pas. Peut-être que j'en terminerai entre deux, donc voilà, on verra. Mais là, pour l'instant, je vais intégrer donc la Lucas. Je vous montre les couleurs. Avec des couleurs vraiment tip-top. Il y en a 57. Pardon, il y a 57 couleurs et ça va se broder sur une toile Zegart Aïda
16 CT, donc qui fait 6,3. Et celle-ci est quadrillée. Voilà. Je vais essayer de la montrer. Parce que je ne peux pas tout enlever. Voilà. Je vous l'avais déjà présenté, hein, de toute façon. Et hop. C'est une toile quadrillée. Donc, ce n'est pas énorme, hein, vous voyez. Ce n'est pas une broderie énorme. Donc, voilà. J'ai le nez qui passe. Voilà, bon, ça je vais le ranger après. Et dernière broderie que je voudrais intégrer, que je vous avais promis de commencer, c'est celle-ci que j'avais eue en avec mon partenariat chez DMC. Voilà, donc là c'est de la broderie traditionnelle. Et je voudrais bien l'intégrer également ce mois-ci pour la commencer, puisque je vous avais dit que je la commencerai. Et je pense que bah, du coup, ce mois-ci, c'est le bon moment de la faire. Voilà, donc celle-là, je vous l'avais présentée également il n'y a pas longtemps. Je vous remettrai les liens des vidéos dans les petits « i » ou en barre d'infos si j'y pense. Voilà. Donc voilà toutes les broderies que je veux pour le Stitch Mania. Je vais vous faire une petite pause de 5 minutes parce qu'il y en a un qui pleure pour aller faire son pipi. Et on continue après, du coup, à voir ce que j'ai fait cette semaine. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai profité pour reprendre une pastille. Alors, les broderies de d'habitude, j'ai terminé une broderie. Là, voici. Et oui, j'ai terminé mon toast à l'œuf. Je suis contente. donc, je l'ai déjà encadré, comme vous voyez. Mais je suis vraiment très très contente de l'avoir terminé. Alors, j'ai passé un peu, enfin, j'ai pas fait à fond le demi-point parce qu'il y en avait du blanc. Vous voyez, à moins d'être vraiment devant, on le voit pas beaucoup. Donc, tous les points ne sont pas faits du blanc. Et là, c'est pareil. Il y avait du blanc avec du gris. Mais ça ne se voyait pas beaucoup. Donc là, ils ne sont pas tous faits. Mais ça me va très bien pour moi. Voilà. Donc, une broderie terminée. Voilà. Je suis contente. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme d'habitude, bon, non, à la base, j'avais prévu, alors, le challenge, par contre, que je me fais toutes les semaines, c'est un petit challenge pour les nouveaux et nouvelles qui ne sauraient pas de quoi je parle. C'est un petit challenge que je me fais pour moi personnellement. Je me base pour faire 3000 croix par semaine, voilà, tout confondu. Et bon, cette semaine, franchement, j'ai pas compté. De toute façon, je ne dois pas être aux 3000 croix, mais cette semaine, franchement, j'ai pas compté. Donc, le challenge, bah, il sera remis pour la semaine prochaine. Sinon, comme d'habitude, les broderies qui sont en cours, il y a les pans de chez Lanart, les ronds de chez... non. Ah, les pans de chez All Forest, vous voyez, j'ai la tête qui... Les ronds de chez Lanart, le Bouddha, poussière d'étoile, les jus de carotte de Lily Point, la grenouille de...
poussière d'étoile, le toast à l'œuf, donc ça vous venez de le voir. continuez le sale mystère de poussière d'étoile, c'est avec le fan. Donc il n'est plus mystère hein, puisqu'il est terminé depuis un bon mois maintenant. Le sale colibri, c'est un modèle également de poussière d'étoile. C'est un sale que moi j'organise. Alors les quatre que je vous dis là, c'est moi qui les organise. Le sale Alice au pays des merveilles, c'est un modèle Old Forest. Le sale du Nouvel An. Et le sale des ours de Noël, donc ça c'est pareil, c'est un modèle chez Old Forest. Et j'ai toujours en cours le sale que Julia organise. Alors je crois qu'il y en a qui l'ont terminé, mais je suis pas sûre. Mais bon, voilà, moi j'en suis aux trois quarts, donc c'est très bien. Ensuite, j'avais mes HAED, le paysage, la japonaise, le chat celtique et ma steampunk qui n'est pas un vrai HAED mais que je considère puisque c'est une couverture totale. Et ensuite, désolée, je suis soufflée, j'avais fait au tirage au sort, vous savez, avec la roue. Pour les estampés, le cerf et le cheval. Et en broderie, ben je crois que c'est tout, oui. Et normalement, je devais faire mes tricots, mais ça, je vous dis, je n'ai fait aucun tricot cette semaine. Voilà. Il y a eu aussi que cette semaine, c'était début du mois. Et le premier de chaque mois, je suis très prise sur mon groupe de broderie parce que bah, je mets en ligne les nouvelles étapes des salles. J'essaie de récupérer un maximum de photos pour mettre dans les albums que j'ouvre chaque mois. J'ouvre un album par salle. Après, il faut que j'ouvre les nouveaux albums. Voilà. Donc, c'est vrai que les deux, trois premiers jours de chaque mois, je suis beaucoup sur le groupe, mais pendant que je fais ça, bah, je peux pas faire autre chose. Mais je m'en plains pas, hein, c'est moi qui. Excusez-moi, c'est moi qui le veux comme ça. Voilà. Alors, par quoi commencer? Bah, je vais commencer par là. Hop, reste là, toi. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas tout fait. Hein. Ici, c'est quoi? Bon, déjà, je prends. Ah oui, ici. Il va falloir que je change de sac ou que je remette un deuxième parce que c'est très, très serré. Mes carottes. J'ai avancé mes carottes. Donc le feuillage, voilà. Donc voilà, j'ai avancé ici. Donc ça commence à. Enfin, c'est pas encore terminé, mais ça commence à bien s'avancer. D'ailleurs, attendez, je crois qu'il manque encore un feuillage là. Je suis pas sûre. Je vais aller sur l'image. Elle est où l'image? Elle est là. Ah ouais, si, il manque une feuille. Ah. Alors, voyez, celle-là, elle n'est pas du tout faite. Je ne l'ai pas encore faite du tout. Ouais, donc elle va venir ici au milieu et là elle n'est pas du tout faite. Donc il faut que je termine celle-là. Celle-là, il y a encore un petit peu à faire. Il y a peut-être encore deux, trois trucs de ce côté-là aussi.
Ouais, non, j'en suis encore loin quand même, du coup. C'est vrai, j'en suis encore loin. Voilà, il y en a encore. Ouais, non, non, j'ai encore du boulot. J'ai encore du boulot. Mon Dieu, ma carotte. Bon, on arrivera bien à la terminer. C'est parce que là, c'est rébarbatif, c'est long, c'est très long. Je l'avais dit, hein, cette partie-là. Alors, si un jour vous êtes pour faire celle-là, broderie, le jus de carotte, ne faites pas comme moi, ne terminez pas par le feuillage. Essayez de faire du feuillage un petit peu à la fois tout au long de la broderie pour que ce soit pas barbant. Voilà, tout simplement. Pour pas que ce soit barbant. Ensuite, oui, ici. Là, c'est le Hall Forest que Julia organise. Alors, j'ai fait cette fleur aujourd'hui. Je l'ai faite aujourd'hui, je crois. Ouais, je sais plus. Voilà. Alors, cette fleur, elle comporte quand même. Est-ce que je l'ai marqué? Je suis pas sûre. Si, 277 croix pour faire cette fleur. Voilà. Et donc, je suis arrivée à 61,39%. Vous voyez, bon, donc je suis aux trois quarts presque. Là, de toute façon, je suis arrivée en haut. Ici, il reste une bordure à faire. Voilà. Et puis après, bon, j'ai encore sur les côtés, hein, et j'ai encore une bordure en bas aussi à faire. Mais ça va. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est quoi? Ah oui. Alors, le sale des ours de Noël, c'est un modèle Hall Forest également. Ah oui, là vous n'allez pas le voir. Mince, c'est vrai, j'ai déjà préparé mon tambour pour faire le prochain. Ça y est, je vous mets l'image, je vous mets la photo. Non, vous venez d'y aller, c'est bon. Dodo. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai? Quand je cherche un truc, des fois, alors, allez. Non, ah ben si, 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 si. Je vais l'avoir ici. Alors. Voilà. Oh, le voici. Voilà, l'étape 1 est terminée. Donc ça, c'est ce que je l'avais prévu. Pour mon Stitch Mania, de terminer des étapes où j'étais en retard. Celle-ci en faisait partie. Bon, j'avais pas un gros, gros retard hein, dessus, mais le mois de mai étant commencé, normalement, je dois
attaquer le deuxième nounours. Voilà, en tout, il y en aura 6 à broder. Voilà. Hop, allez. Ensuite. Bon, panier. Allez. Oh, c'est pas vrai. Ah ben, attendez, j'ai la photo de tous les ours. Voilà, y est. Et donc là, ce mois-ci, on fait ici, le petit pépère ici. Voilà, et là, on vient de faire celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Une petite broderie. Non, j'ai pas fait. Est-ce que je voulais montrer celui-là? Non, je voulais pas montrer. J'ai terminé une nouvelle étape, mais elle était toute petite. Sur le sale mystère, donc de poussière d'étoile. Donc, il fallait faire, voilà, toute cette branche ici. Non, là, jusque là. Donc, il y avait cette branche ici à faire. Donc, elle est faite. Donc, tout ce côté-là est terminé. Voilà. Donc, maintenant, je vais attaquer ici ou alors un peu plus loin. Enfin, maintenant, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Là, c'est le reste du corps, je crois. Et il y a la tête. Bah, de toute façon, vous le voyez. Et il me reste donc le haut du corps à faire et toute la tête. Voilà. Et tout sera fait. L'autre côté est fait entièrement aussi, vous voyez. Bon, là, vous voyez qu'un bout de fleur, mais ce côté-là est terminé également. Donc, il ne me reste plus que bah, la tête, voilà, et un petit bout du corps à faire. Mais il y a quand même du taf, là. Hein. Pour faire la tête, il y a du boulot. Hein. Mais c'est pareil, je serais contente, ça fera encore une broderie terminée. Par contre, j'ai pas marqué le nombre de croix que j'ai fait. Je ne sais plus. Ah non, j'ai oublié. C'est ça aussi, cette semaine, j'ai pas bien rempli mon cahier. Je vous dis, comme j'étais pas trac, et que je le suis encore, j'ai pas très très bien rempli mon cahier. Du coup, j'ai pas mis tous mes nombres de points. Mais je crois que je devais être à 150 croix, un truc comme ça, cette semaine, pour le sale mystère. Ensuite, est-ce que j'ai encore fait quelque chose dans ce sac? Oh. Non, ça non. Ça non plus, ça je suis très en retard, le sale du nouvel an, je suis très 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 en retard. Alice pays des merveilles, non, je vous l'ai montré la semaine dernière, j'ai rien fait. Le colibri et le Bouddha, non, dans ce sac là c'est terminé, j'ai rien fait d'autre. Alors, ça, c'était les petites broderies. Enfin, les petites façons de parler. Les grandes broderies. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Alors, en HAED, j'ai avancé... Alors, cherche la fermeture éclair.
j'ai avancé ma japonaise. Voilà. Donc là, je vous avais dit, hein, j'arrivais au niveau de sa, du dessus de sa tête, où elle a un petit pic dans les cheveux. Voilà. Alors là, j'ai fait, je vais vous le dire. Oh. La japonaise, elle est là. Ah bah oui, je ne l'ai pas noté. C'est vrai, puisque ça s'est remis à zéro. Donc en tout, bon, je vais vous dire en tout combien j'ai fait. En tout, il y a déjà 1631 croix de fête. Et je suis à 2,16%. Voilà. J'ai dû faire environ, je regarde quand même si je ne l'ai pas noté, hein, mais je pense pas. Non. Non, je ne l'ai pas marqué, dommage. Ouais, j'ai dû faire à peu près 300 croix. Voilà. Donc voilà, à l'avance, doucement, mais sûrement. Mais j'aime bien. Ah, là on voit mieux. Des fois le téléphone, oh, c'est pas possible. Vous avez décidé aujourd'hui. Deux secondes. Voilà, vous avez pu voir. Alors, je me suis refait des aimants pour tenir les fils en parking. Je vais vous sortir une vidéo cette semaine pour vous montrer comment je les ai faits. Alors, j'avais acheté des nouveaux aimants. Vous voyez, ce sont des grands. Mais quand je les ai reçus, je me suis dit, tiens, je reçois une grosse boîte comme ça. Carré. Déjà, quand j'ai vu la boîte, je me demandais ce que c'était. Emballé mais deux, trois fois dans du plastique. Et après, quand j'ai ouvert le plastique, c'était un gros cube, mais vraiment un gros cube de polystyrène. Et à l'intérieur, il y avait les aimants. Je me dis, mais mince. Mais j'ai compris pourquoi, après, ils ont fait un tel emballage. Les aimants, mais alors d'une puissance x 10. Waouh! J'ai là, quand ils sont un par un, enfin deux par deux, puisque j'en mets deux, ça va. Mais le tube, j'ai eu deux tubes d'aimants, quand ils étaient tous ensemble, mais alors, je vous jure, d'une puissance. J'ai compris pourquoi ils avaient mis dans du polystyrène comme ça, parce que si ça passe dans les machines à la poste ou les transporteurs, ça serait resté collé. Mais alors, ils sont vraiment nickels. Hein, là, donc, vous aurez une vidéo cette semaine pour je vous montre comment je l'ai fait. Voilà. Bon, ben, il faut que je refais une pause pipi. Hein. Oh, bah, je vais profiter pour boire un petit verre de thé parce que j'ai la gorge très très sèche. Voilà, j'arrive. Tu vas faire crier maman? Vous savez, je suis sûre que c'est pas le pipi. Il a entendu un chien aboyer. Si c'est ça, il va rentrer tout de suite. Bon, j'arrive. Me revoilà. Alors, niveau HAED, j'ai travaillé sur un autre. Alors, je crois que c'est dans celui-là. Ouais. Oh.
Alors, j'ai toujours des doutes. Vous devinez lequel c'est? J'ai vraiment du mal. Alors, j'ai pas fait, enfin, j'ai pas fait énorme. Vous allez voir, ça n'a pas l'air, mais j'ai quand même fait 407 croix. Voilà. Donc, c'est la broderie du chat. Donc, maintenant, je le fais en noir. Vous voyez, je n'ai même pas enlevé le. Enfin, vous le voyez, non, vous ne le verrez pas, puisque ça ne se voit pas. Je n'ai pas enlevé le 939. Du coup, je n'ai fait que du noir pour continuer. Ça va. Bon. C'est le début. Je crois que c'est ça qui me coince. Vous voyez le nombre. Alors là, j'ai pas encore mis des mans. Il faut que j'en mette un. Rien que. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer. Vous voyez la petite pointe là qui est dans le noir. Voilà, là. Donc, pas ce qui est en bas. Hein. Vous ne comptez pas ce qui est en bas. Voilà. Vous voyez le marron que vous voyez là. 17 couleurs. Que pour le marron. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir. 17 couleurs pour ce petit morceau. Donc là, vous voyez, il y a tous les fils. Voilà. Donc ça, c'est que pour la frise. Mais j'ai toujours. Alors, ça va peut-être aller après. Hein. Je vais peut-être m'y faire. Mais j'ai encore un peu de mal à m'accrocher à cette broderie. Alors, elle est très, 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 très confetti. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'empêche de m'accrocher. Elle est vraiment extrêmement confetti. Et voilà. Mais bon, je vais essayer de m'y tenir pour l'instant. Donc peut-être que quand je vais arriver au chat, après ça ira. Hein. Là, c'est vrai que c'est tout noir, plus la frise qui est très confetti. Donc je vais m'y tenir pour le moment. J'espère que ça va aller. Parce que bon, ben, je n'aurais pas non plus trop avancé et puis que je vois que je le ferai pas. Mais j'ai quand même eu des, comment on va dire, des remords de l'avoir acheté. Parce que je vous dis, hein, j'ai quand même du mal à m'accrocher. Et là, quand j'ai vu que ce petit bout, là, cette petite pointe, là, que vous voyez là, il y avait 17 couleurs. Je vous dis, j'avais mis une photo. Alors, je ne sais pas si je peux la retrouver sur ma tablette, la photo. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas sur celui-là. Moi, je vais la trouver sur le groupe. C'est rien, je vais chercher. Oui, que j'avais mis toutes mes. Pour ne pas chercher dans la boîte, enlever, remettre, enlever, remettre. J'avais mis toutes les couleurs pour faire ce petit coin à côté de moi. Et c'est vrai que c'était. Attendez, excusez-moi, je baisse un peu les yeux. C'est parce que c'est pour moi, vous trouvez la photo. Pour que vous vous rendiez compte. Ah ouais, je reviens un petit peu en arrière. Le sale mystère de poussière d'étoile, le fan, j'ai fait 207 croix. Voilà. C'est parce que je viens de le voir. Alors, où est-ce que j'ai mis ça?
Je dois l'avoir un chien. Bon, c'est pas ça. Bon, bah alors. Ah, voilà. Ah, bah, j'ai pas mis la photo. Si, ça y est. Alors, hop, donc, la broderie, c'est celle-ci, hein, vous vous rappelez. Donc là, bah, je suis dans la frise, hein, pour l'instant. Excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai eu une grosse canne de toux. Voilà, pour faire ce petit coin. Voilà des couleurs que j'ai utilisées. Et encore là, je ne sais même pas s'il y a tout. 1, 2, il y a 5, 10. Ouais, il en manque une là. Non, non, la 17, parce que c'est avec le noir. Oui, donc c'est 16 pour faire le petit coin. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour faire ce petit coin que je viens de vous montrer. voyez, voilà, pour faire le petit coin ici marron. 17 couleurs, enfin 16 couleurs. Je vous dis, j'ai cru mourir. J'ai cru mourir parce que bon, ben, refaire l'aiguiller, faire. Si, c'est pas possible. Et vous voyez, ça fait ça. Voilà. Et c'est très très confetti, mais bon, je vais essayer de m'y tenir. Et puis, ben, on va voir si je tiens, si je tiens le choc. J'ai plus, alors je sais pas si vous avez vu. Je profite que je l'ai là, que j'ai la photo sous les yeux. L'ATC que j'avais fait. Et que j'ai envoyé à ma binôme Mélanie au Canada. Voilà. L'ATC que moi j'ai fait. Voilà. Donc, en niveau HAED, j'ai rien fait d'autre cette semaine. Niveau grande broderie, à part celle-ci, la maison météo. Que vous allez, vous êtes en train de vous dire, t'es sûr que t'as rien fait? Bah, par rapport à d'habitude, ouais, je trouve que j'ai pas fait grand chose. Donc, maison météo, j'ai fait ma fenêtre, la voici. Donc là, on a eu 2 jours à 25-26 degrés. Voilà. Là, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait ma fenêtre ici. Et il restait le dimanche à faire sur celle-là. Voilà. Alors là, je suis en train de commencer à chercher des idées pour l'année prochaine pour refaire une broderie météo que je vais. Pardon. Et ça doit vous énerver que je vous dis pardon à chaque fois en plus. pour que je puisse vous redessiner une. Voilà. Quinte de tout. Ouais, je suis en train de commencer à griffonner des idées pour refaire une broderie météo pour l'année prochaine. Donc, je vais voir. Pour l'instant, j'ai rien de précis. Je cherche pour l'instant des idées. donc, on verra ce que je vais vous concocter comme nouvelle broderie pour l'année prochaine. Voilà. Niveau grande broderie, petite broderie, point compté. C'est tout. Attendez, je fais un peu de place. Voilà.
C'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Mais j'ai fait quand même, j'ai avancé un peu ma broderie fleur, ma fleur. Voilà, celle-ci. Donc, c'était des arômes. Donc, je suis sur les feuilles, là. Voilà, ici. Il est derrière. Bon, derrière est moche, hein, mais je m'en fous. Je sais plus qui c'est qui disait ça aussi dans sa vidéo, j'ai vu cette semaine. Je sais plus. Hein, j'ai un doute. Qui était comme moi, qui disait que le dos de la broderie, mais alors elle n'en avait rien à cirer. Donc voilà, j'ai avancé mes arômes. Et alors j'avais prévu normalement au tirage au sort d'avancer en broderie estampée, c'était le cerf et le cheval. Mais bon, j'ai pas fait attention, mais bon. J'ai avancé plutôt Madame Celtique de Noël. Oh, mince, il y a un fil qui dépasse là. Je l'ai mal coupé. Bon, c'est pas grave, je couperai après. J'ai avancé Madame Celtique. Voilà. Donc là, la semaine dernière, vous aviez vu que j'avais fait le bas. J'ai des poils à fifi. J'avais fait le bas, mais il reste encore beaucoup de doré à broder en bas, tout ce qui est jaune. Et là, j'ai avancé. Donc, les plis de la robe ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment nickel à faire. Hein. Ça va tout seul. Là, c'est du bloc. Il n'y a pas de problème. Et un petit peu à la fois, j'avance le doré également. Et là, il me restera les perles à mettre sur la robe. Voilà. Je suis contente de l'avoir repris, de la faire. Parce qu'elle est vraiment très très agréable à faire. Bon, comme j'avais dit la fois dernière, je sais, celle-là c'est une copie, mais c'était au début que je faisais les partenariats. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas fait trop attention, mais comme elle me plaît beaucoup, je la fais quand même. Voilà. Donc, elle avance. Bah, écoutez, je crois que j'aurais fait le tour du peu de broderie que j'aurais fait cette semaine. Donc, je vous rappelle que là, bon, pour ce mois-ci, je fais le Stitch Mania. Donc j'ai prévu, alors pour la semaine prochaine, j'ai prévu de commencer l'oncle Fox et ensuite de travailler sur quelques broderies que j'ai déjà. Donc il faut que j'avance mes ronds, mon paon, mon Bouddha. Bon, la maison météo, ça c'est toutes les semaines, hein, donc ça je le compte pas. Alors, je verrai si j'ai eu ma toile, tout ça, si je commence la semaine prochaine le sampler, il faut que je vois ça avec Sonia, ou ce sera remis à la semaine d'après, je verrai avec elle. Hein, je vais essayer également de reprendre des cases donc du calendrier de l'Avent et aussi le Duren Jones. Je voudrais aussi commencer ben, il y a quelques j'ai marqué, je sais plus.
Ouais, le Caroline Manning, voilà. Après, il y aura les carpes koi de l'UKS, enfin l'aquarium. Voilà, on verra comment la semaine va se dérouler. J'espère que j'irai mieux, surtout. Voilà. Parce que ben, en même temps, il faut que je reprenne mes tricots. Je vous ai pas montré. Donc, la couverture météo de cette année, celle-là, je la fais. Hein. Il y a que le rang d'aujourd'hui que je n'ai pas fait. Bon, il sera fait demain. Voilà où j'en suis. Donc là, alors là, j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, on ne voit pas beaucoup le blanc. Mais bon, c'est pas très grave. Je ne vais pas le démonter pour le refaire. Là où il y a le blanc, c'est le mois d'avril qui est terminé. Mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas beaucoup, mais. Donc voilà. Et on commence à avoir du jaune sur la couverture aussi. Voilà, donc en tricot, enfin là c'est du crochet, c'est la seule chose que j'ai faite cette semaine. Mais bon, je pense que j'ai quand même bien avancé. Bon, j'ai quand même terminé une broderie, j'ai fait son encadrement, j'ai avancé certaines broderies, certaines sont. Une est à jour au niveau de l'étape. Voilà. Bon. Alors, je voulais encore m'excuser pour la qualité de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que, bah, comme je suis pas à 100% de ma forme, voilà. Mais je tenais absolument à faire cette vidéo pour que vous ayez votre petit rendez-vous du dimanche. Voilà, j'y tenais. Alors, on va, avant de se dire au revoir. Alors, j'ai mis ouf. Oh. J'ai la tête en vrac. On va faire les tirages au sort. Allez, ouvre-toi. Alors, tirage au sort d'abord pour les estampés. On va tirer au sort deux estampés. Voilà. Bah, le cerf. Voilà. Le cerf. Alors, je vais le noter. Non, on est au mois de mai. Allez! Oh, je vous dis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. J'espère que vous aurez bien entendu ma voix. Alors, estompé, on a dit le cerf. Et on va en tirer une deuxième. Le cheval. Ben, c'est le tirage au sort que j'avais fait la semaine dernière. Ensuite, on va tirer au sort les achats ED. Ça y est, il y a de la pub. Voilà. Donc on va en tirer deux. Si je peux en faire trois, j'en ferai trois, mais là j'en tire déjà deux. La steampunk. Voilà.
Et une deuxième. La japonaise. C'est pareil, si je sais en faire une autre, j'en ferai une autre. Au niveau des salles, voilà. Les ours de Noël. Une deuxième. Fifi. Fifi. Bouge. Bouge. Le forest de Julia. Voilà. Là. Alors, il n'y a pas les nouveautés hein, dedans. Mais là, ce sont mes broderies normales. Ah oui, mais il faut que je retire le toast. Le toast est terminé. Alors, attendez, je vous montre juste une seconde. Hop, le toast, voilà, je l'ai retiré. Le paon, les hérons, les bouddhas, la grenouille, les carottes. J'ai l'impression d'en avoir oublié une. Carottes, non. Je crois que c'est ça. Bon, le titre, c'est toujours marqué les hérons. J'ai pas encore eu le temps de le corriger. Donc, faites pas attention. Ah, Fifi, s'il te plaît. Les pans. Les pans. C'est quoi ça? Ah, la carotte, mon Dieu. Voilà. Je sais pas si j'en tire une troisième là, non. On verra. Je vais déjà prévoir ça en sachant qu'après, il y a les nouveautés que je veux montrer. Et il y a, bon, les UFO, il n'y en a que deux. Donc ça, c'est pas grave. Les UFO, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, il y a... Les tricots, j'espère que j'aurai du temps pour en faire. Fifi, t'as touché à quoi sur la télécommande? Le pull de chouchou, le pull débardeur. Non, Fifi, mais elle est... Je vous montre. Voilà, elle est couchée, attendez, sur mon carnet. Comment je fais? Comment maman elle fait?
On va marquer là. Ah, nanana. Ça veut dire maman, occupe-toi de moi. Et un deuxième. Le pull fil d'art. Voilà. Ok. Donc, on peut le marquer là dans le coin. Hein. Tu veux pas bouger? Non. Non, tu es bien là. Elle est bien. Pourquoi je vais bouger, maman? Dis-moi. Pourquoi je bougerai? Je suis bien sur ton carnet. Ah, je vous jure. Ah. Oh. Eh ben voilà, j'arrive plus à régler mon téléphone. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ça y est, maman l'a fini. Je vais m'occuper de toi. On a terminé pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Que ma toux ne vous aura pas trop dérangé. C'est les aléas de la nature. Hein. J'espère la semaine prochaine être un peu plus enthousiaste. Et en plus, je suis pleine de douleur. Parce que comme je... là, vous n'avez pas entendu les quintes de toux que j'ai, mais... C'est vrai. Ça fait mal à l'oreille, à l'entendre. Et ça fait réellement mal. Vraiment très, très mal. Au poumon et j'ai eu tellement d'énormes quintes de toux dans la journée et puis hier que j'en ai très très mal dans le bas du ventre, dans les côtes, dans le dos. C'est une horreur. vivement que ça se termine. Mais bon, il faut le temps que les antibiotiques, le sirop, tout ça, ça fasse effet. Voilà. Mais bon, je n'ai pas été malade du tout de l'hiver. Mais alors, pas du tout. Rien. Nada. Hiver, nickel. Et j'arrive au mois de mai pour être malade. On me demande notamment s'il y a un temps pourri. On ne fait que pleuvoir, il fait que pleuvoir, il fait froid, il y a eu 2 jours de chaleur, Bon, enfin, allez. Maintenant, moi, je vais ranger tout ça. Non, je ne vais pas monter la vidéo ce soir parce que là, il est déjà presque 23 heures. Je montrerai la vidéo demain matin. Comme ça, vous l'aurez dans la journée, dans l'après-midi. Dans l'après-midi, comme d'habitude. puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je suis désolée, je suis complètement patraque aujourd'hui. Allez, je vais vous faire plein de gros bisous. Fifi vous fait des gros bisous aussi. Hein, Fifi? Bon. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.